Shalom! Voilà, le petit message de maintenant, tout de suite, c'est, il est simple, comme la vérité. Alors, je vous demande d'être totalement présent, c'est-à-dire de ne pas faire deux choses en même temps. Donc, si vous êtes en train d'écouter de la musique, ou si vous êtes avec votre GSM, ou... vous êtes en même temps sur Facebook, je vous demande de couper tous ces parasites pour que vous soyez totalement présent maintenant pendant que je vous parle. Alors, je vais simplement vous dire que j'attends un peu que... Fais-le! La plupart du temps, les gens veulent comprendre avant de faire. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas confiance et ce qui veut dire que ils ont peur d'apprendre quelque chose qui pourrait modifier leur croyance. Alors, donc j'attends, c'est pour ça qu'entre-temps je parle. Donc coupe-toi de tout. Comme si c'est quelqu'un qui te parle ou essaye d'être totalement présent. Alors, dans le judaïsme, un concept qui est plus qu'un concept, la croyance de base, c'est que Dieu, ce qui représente Dieu et Dieu, il est un. Un, ça veut dire un, ça veut dire entier. Donc, ça veut dire que tu dois être un. Dans ce que tu es et dans ce que tu fais maintenant. Donc moi maintenant, je suis totalement présent dans la vidéo et je parle avec toi. Et donc, si tu arrives à comprendre ce concept-là, en fait, c'est la base de tout. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad, ça veut dire un. Adonai, ça veut dire Dieu. Dieu est un. Mon Dieu est un. Il est un. C'est-à-dire que pour accéder à ce qui est unique en toi, tu dois déjà arriver à te couper de... Parce que, on a tendance, c'est une tendance qu'on a, c'est on fait plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire on parle, on pense à quelque chose, ou on pense à hier, on pense à... C'est-à-dire que tout ça nous empêche finalement de vivre ce qu'on a à vivre maintenant. Parce que dans l'instant présent, tout se trouve là. Et donc tout ce qui vous coupe... Ou tout ce qui vous parasite, toutes les connexions qui ne sont pas, en tout cas qui ne vous permettent pas de vous connecter à ce qui est un en vous, eh ben tout ça c'est des choses qui vont vous diviser. Ça va vous diviser et tout ce qui vous divise vous empêche d'être totalement là et de donner ou de prendre ce qu'il y a à prendre et ce qu'il y a à donner. Alors, ça c'est un, première chose, un, être un. La deuxième, et c'est là où est mon message, c'est quand il y a un moment vous pensez à quelque chose, surtout si c'est quelque chose de bien, et que vous dites je dois le faire. Alors, ce que j'ai à dire, attention, parce que maintenant je pense qu'après après tout ce temps, je pense que maintenant tu es présent. Si tu retiens juste cette phrase, tu vas voir que ça va te faire avancer énormément dans la vie. Alors, écoute bien. Chaque fois que tu penses que tu dois faire quelque chose, et surtout si cette chose, elle est bien, tu dois la faire tout de suite. Et tu dois faire que ça. Et après, tu penseras aux autres choses. Ou après tu feras. Parce que sinon, tu penses à quelque chose. Par exemple, moi, je me dis, voilà, je vais faire la vidéo. Je l'ai pensé. J'aurais pu dire, ouais, je termine. Non, si, par exemple, si je t'ai occupé à faire quelque chose, je ne vais pas arrêter de faire cette chose-là pour faire la vidéo. Ça, c'est mauvais aussi. C'est qu'à partir du moment où vous êtes dans quelque chose, faites-le jusqu'au bout. Et quand vous avez une pensée, par exemple, je me dis, voilà, je vais faire une vidéo où je vais leur expliquer ça,
En tout cas, leur partager ça, plus que l'expliquer, je vais le vivre. Là, je suis en train de le vivre, je suis en train de vivre ce que je suis en train de vous dire. Faites-le directement. Soyez entier et faites une chose à la fois. Même si vous avez l'impression que ça va vous faire perdre du temps, dites-vous qu'il y a un seul temps et on ne peut pas le perdre. La seule manière de perdre ce temps, qui est un, c'est de ne pas être entier et c'est de faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Donc, soit présent, soit un, fais une chose en même temps et si elle est bien, fais-la tout de suite, ne la reporte pas si c'est bien. Par contre, et je terminerai la vidéo là-dessus, si la chose que vous pensez, exemple, je vais fumer une cigarette, je suis désolé, vous faites ce que vous voulez, mais fumer, c'est pas bon pour la vie. Et essayez de reporter. Dites, quand c'est pas bien, vous faites le contraire. C'est reporter. Et vous allez voir que le simple fait de reporter dans le temps cette action ou même cette pensée, c'est-à-dire j'y penserai après, eh ben ça va vous mettre dans les conditions de ressentir que cette tentation ou ce désir de jouir de soi-même finalement c'est juste une pulsion autodestructrice et souvent un mirage qui n'est là que pour vous éloigner de l'unité qui est en vue, d'une présence totale, de vous diviser dans ce que vous êtes en train de faire là maintenant, c'est-à-dire ma vidéo, et te parler à toi et toi m'écouter. Alors, je te remercie pour l'écoute et je te demande de... Si tu penses que ce que j'ai partagé avec toi est quelque chose de bien, de le partager et de le partager tout de suite. Merci et Leitraut, qui veut dire au revoir.